Voilà, ce cantique, c'est une expérience d'un homme qui l'a vécu. Et je crois que il a partagé réellement l'épreuve qu'il a passée, le moment difficile. Alors ce soir, amen, c'est plus un témoignage qu'un cantique. C'est pour ça qu'on doit écouter les paroles. Amen. Gloire à Dieu. En un moment de prueba de mi vida, un moment d'épreuve dans ma vie, j'ai décidé de tout abandonner. Eran tantas las pruebas que había, il y avait tellement d'épreuves que empecé a turbarme, que mon cœur était troublé. Dios comencé a sueltar las cosas que Dios me había dado. J'ai commencé à abandonner les choses de Dieu. Y después, et ensuite, je me trouvais dans un coin, solo y llorando, seul et en train de pleurer. L'ennemi de mí se reía por mi condición, se moquait de ma condition. Él me acusaba, il m'accusait y me preguntaba, et me demandait où est ton Dieu maintenant. Pero en mi mente, et dans ma pensée, analizando que el culpable era Dios, je réalisais que c'était moi le véritable coupable. Ya al otro lado, mais de l'autre côté, le Saint-Esprit me disait: je suis encore là pour toi. Je suis encore là pour toi. J'attends simplement que tu reviennes à moi. Relève-toi de ton affliction et reprends ce que tu as perdu. Lorsque le Saint-Esprit m'a parlé, je me suis relevé sous l'onction de Dieu et j'ai commencé à dire à l'ennemi: je reprends ce qui est à moi. Je reprends ce qui m'appartient, mon rêve, mon foyer, mon ministère, ma famille, ma santé, parce que je viens contre toi, au nom de Jésus. Je prends ce qui m'appartient, mes rêves, mon foyer, mon ministère, ma famille, ma santé, parce que je viens contre toi, au nom de Jésus. Alléluia, Dios. Béni soit Dieu. En un momento de prueba de mi vida, decidí alejarme. Al moment de ma vie, j'ai décidé de tout abandonner. Eran tantas las pruebas que había. Il y avait tellement d'épreuves. Que empecé a turbarme. Que j'étais vraiment troublé. Dios comencé a sueltar las cosas que Dios me había dado. J'ai commencé à abandonner tout ce que Dieu m'avait donné. Y después, mais ensuite, me encontraba en una esquina, j'étais dans un coin. Solo y llorando, j'étais seul et je pleurais. El enemigo, l'ennemi, que mi se reía por mi condición, se moquait de moi, de ma condition. Él me acusaba, il m'accusait, me preguntaba, et me demandait: où est ton Dieu maintenant? Mais dans ma pensée, analizando que el culpable era Dios, je réalisais que le véritable coupable c'était moi. L'autre lado, mais de l'autre côté, le Saint-Esprit me disait: je suis encore là pour toi. Je suis encore là pour toi. Et j'attends que tu reviennes à moi. Relève-toi de ton affliction et reprends ce que tu as perdu. Lorsque le Saint-Esprit m'a parlé, je me suis relevé sous l'onction de Dieu. Et j'ai commencé à dire à l'ennemi: je reprends ce qui est à moi. Je prends ce qui m'appartient, mes rêves, mon foyer, mon ministère, ma famille, ma santé, parce que je viens contre toi. Suelta mis sueños, suelta mi matrimonio, suelta mi ministerio, suelta mi familia, suelta mi salud, hoy yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya.